Donc L'idée du palais, c'est ce livre, c'est mon premier roman. Il est publié aux éditions La Table Ronde dans la collection Vermillon. Donc ce roman est un roman d'apprentissage et le décor que j'ai voulu faire, c'est la résidence parisienne d'un prince et d'une princesse issus d'un petit émirat du golfe Persique. Donc j'ai voulu dans le roman montrer l'envers du décor, montrer ce qu'il y avait derrière les façades haussmanniennes de l'avenue Foch, dans ces grands hôtels particuliers qui ont été bâtis au 19e siècle pour le confort des noblesses d'affaires et qui aujourd'hui sont offertes d'une certaine façon aux caprices de milliardaires venus des déserts. Donc dans ce palais, j'ai voulu décrire et aussi imaginer bien sûr la stratification ethnique qui peut y régner, c'est-à-dire des princes et des princesses venus de petits émirats du golfe Persique, mais l'Afrique noire dans les buanderies, les Pakistanais qui travaillent dans les cuisines, les Soudanais qui sont des valets pour la plupart, les dames de compagnie qui viennent souvent du Liban, et les agents de sécurité qui sont serbes. Et justement, mon héros s'appelle Dusan. C'est un jeune Français originaire de Serbie. Et donc ce garçon a été recruté pour des raisons familiales par un de ses cousins. Et il est recruté comme agent de sécurité. Et il travaille donc dans le palais dans lequel vit cette princesse. Alors concrètement, il passe ses journées à attendre qu'il se passe quelque chose. Mais en général, il ne se passe rien. Par contre, tout va changer lorsque la princesse va retourner dans son émirat et qu'elle va être remplacée par son mari. Par le prince. Et lui, par contre, a une vie totalement différente. Et Dusan va donc être confronté à une toute autre mission, puisqu'il va. On va lui demander, enfin, les secrétaires du prince vont lui demander de se mêler de l'économie des basses pulsions sexuelles du prince. Et donc, à ce moment, il va être dans l'obligation de devoir accompagner les secrétaires du prince sur les boulevards périphériques de Paris, afin de recruter justement des prostituées. Et à partir de là, il va se retrouver sur le fait de ses contradictions, il va se retrouver confronté à un certain nombre de dilemmes, puisqu'il va être à la jonction parfaite entre la puissance financière inestimable du prince et par contre la misère insondable de ces pauvres petites prostituées venues d'Europe de l'Est ou du Maghreb. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il va rencontrer Khadija, qui est une prostituée, il va la ramener au palais. Et faisant cela, eh bien, là, l'action du roman va réellement commencer, puisque faisant cela, il va être entraîné dans un certain nombre de péripéties, et il va perdre un certain nombre de choses, il ne va pas perdre la vie, mais il va perdre un certain nombre de choses, et en échange, il va aussi gagner des choses très, très précieuses.